Chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez depuis votre demeure, vous aussi qui nous écoutez sur votre lieu de travail, vous aussi pour une raison ou une autre qui se trouve à travers les rues, soit dans une camionnette, soit dans votre véhicule privé, je vous salue dans les noms précieux de Jésus. Il est midi, ce qui veut dire nous sommes à la mi-journée. 6 heures sous les regards du Dieu puissant. 6 heures à bénéficier de la protection de Dieu. C'est pas que nous méritons quoi que ce soit de sa part. C'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. Il nous a tout simplement fait part de sa grandeur. Il nous a fait part de sa miséricorde. C'est tout simplement la manifestation de son amour si nous sommes encore en vie aujourd'hui. Mes chers amis, en ce moment, nous ne savons pas combien de pièges, combien de flèches que l'ennemi est en train de préparer pour vous et combien il a déjà placé. Combien de fois il a essayé de vous enlever la vie et que le Seigneur s'est interposé. Combien de projets on a construits sur vous, mais le ciel a su vous garder sain et sauf. Nous vivons à l'heure où le mal bat son plein, où le mal est devenu monnaie courante. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons expliquer. Le mal aujourd'hui est devenu quelque chose de normal. Si vous voyez que vous êtes en vie, c'est parce que Dieu a su montrer au monde que vous êtes spécial à ses yeux. C'est pour cette raison, je vous invite, mes chers frères et sœurs, à vous joindre à moi dans un moment de prière où nous allons démontrer à Dieu notre reconnaissance, où nous allons lui adresser nos mots de remerciement pour lui faire savoir que nous sommes reconnaissants à son égard et que nous voulons lui adresser quelques mots de l'orange. Si vous êtes debout, si vous êtes dans un lieu où ce n'est pas propice, je vous demande de bien vouloir vous mettre à l'écart. Placez-vous dans un lieu où vous pouvez vous connecter avec le royaume de Dieu, où vous pouvez vous adresser
au grand Dieu de l'univers. Présentez-vous devant son trône, car c'est là que vous pouvez obtenir tout ce que vous pourriez avoir besoin. Mes chers amis, pour commencer avec notre prière, je vous invite de goûter avec moi un morceau de musique. Un morceau de musique avec Abner. Trône, c'est le titre de la musique. Chers frères et sœurs, nous voici de retour. Nous allons nous connecter avec le trône céleste.
J'aimerais vous parler un peu de la prière. La prière, c'est notre moyen de communication avec le ciel. C'est notre unique moyen pour nous adresser au Dieu des cieux. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est le Dieu des cieux. Celui qui a créé le ciel, la terre, c'est avec lui que vous allez parler en ce moment. Chers frères, en tant qu'humain, Dieu nous rencontre. Nous avons l'opportunité de rencontrer Dieu à deux moments. Soit dans les moments de louange, soit au moment de la prière. Mais il y a une différence entre ces deux moments. Dans les moments de louange, Dieu s'est déplacé afin de nous rejoindre. Mais quand nous prions, ce n'est pas Dieu qui se déplace vers nous, mais c'est nous. C'est nous qui sommes déplacés pour aller vers Dieu. À ce moment, nous nous retrouvons en face du trône de Dieu. Et mes chers frères, j'aimerais vous dire, c'est le plus beau cadeau qu'un être humain pourrait avoir. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire. Pouvoir communiquer avec lui, pouvoir nous adresser à lui et lui faire sentir comment nous sommes. Et aujourd'hui, c'est le moment idéal, mes chers frères, pour nous adresser à Dieu et lui faire savoir combien nous sommes tristes, combien les choses sont difficiles pour nous. Mais j'aimerais vous dire une chose, vous n'avez absolument rien à craindre, car le Seigneur est là. Le Seigneur est votre protecteur et il est prêt à tout pour vous protéger. Et nous ne sommes pas les seuls à pouvoir expérimenter une chose pareille. Le psalmiste a aussi expérimenté des moments difficiles, mais il a su faire confiance à Dieu et Dieu lui a procuré la sécurité, le bien-être et la sérénité. Dans le psaume 91, les versets 1 à 4, il a fait sentir combien il s'est senti sécurisé. Au beau milieu du danger, il a ressenti la sécurité. Pourquoi? C'est parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui cherche en l'Éternel son refuge, celui qui prend l'Éternel comme bouclier, l'Éternel le couvre sous ses bois. L'Éternel le couvre sous ses bois. Il le protège. Celui qui cherche l'Éternel trouvera toujours le repos. C'est dans cette optique que je vous invite, mes chers frères, mes chères sœurs, à vous disposer, à prendre un peu de temps afin de parler à Dieu. Nous allons lui adresser nos mots de reconnaissance. Nous allons lui adresser nos doutes. Nous allons lui adresser nos manquements afin qu'il puisse nous apporter la solution que nous avons besoin. Si vous pouvez vous agenouiller, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, mettez-vous dans un lieu où vous pouvez parler à votre maître. Fermez les yeux et nous prions. Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, vous qui a créé tout ce qui existe, toi qui étais là hier, qui est là encore aujourd'hui et qui sera là encore demain. Nous te disons merci
Merci pour cette mi-journée. Merci pour ta protection. Merci Seigneur parce que tu nous as préservés du danger. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité de nous reposer sous ton abri. Merci Seigneur parce que tu nous as protégés sous ton ombre. Tu nous as acceptés dans ta maison afin de nous donner refuge. Tu nous as pris dans ta forteresse afin de nous sécuriser. Seigneur, nous sommes reconnaissants à ton égard et nous te disons merci. Si tu n'étais pas là pour nous, Seigneur, nous savons que, Seigneur, notre situation serait chaotique. C'est pour cette raison que nous sommes venus à tes pieds pour te dire, Seigneur, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi et que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Seigneur, nous vivons des moments difficiles. Seigneur, nous vivons dans un monde de péché. Les hommes méditent le mal. Ils pensent qu'à faire le mal. Par nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas résister. Nous ne savons pas, Seigneur, en ce moment, combien d'ennemis qui sont en train de préparer des pièges, mais qui projettent de nous attaquer, qui espèrent nous faire plonger dans des situations chaotiques. Si tu nous laisses seuls, Seigneur, c'est sûr, Seigneur, que nous allons tomber. Si tu nous laisses seuls, Seigneur, c'est sûr que nous ne pourrons pas voir le reste de la journée. C'est pour cette raison que nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que c'est toi, notre seul et unique recours. Si nous ne sommes pas venus à toi, Seigneur, nous n'avons nul autre pas où aller. Je vous en prie, Père, accepte-nous. Nous savons que, Seigneur, tu projettes de nous apporter la paix. Tu projettes, Seigneur, de nous procurer la sérénité, mais seulement si nous acceptons de venir demeurer dans ta maison. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous sommes les enfants de ta maison. Nous voulons demeurer pour toujours dans ta demeure. C'est nous, Seigneur. Procure-nous la paix. Procure-nous la sécurité. Seigneur, il y a parmi nous qui ne se sent pas bien. Il y a parmi nous qui sont à l'hôpital. Il y a parmi nous qui souffrent des choses exceptionnelles, Seigneur. Des douleurs qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Mais Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu as la solution à toutes choses. Nous sommes venus t'apporter nos douleurs. Nous sommes venus t'apporter nos manquements. Nous sommes venus t'apporter nos inquiétudes. Que tu nous donnes la paix de l'esprit. Que tu nous donnes la sérénité. Que tu nous procures, Seigneur, la confiance. Que tu nous donnes, Seigneur, l'opportunité de nous sentir en paix, même au beau milieu de la guerre. Je vous en prie de nous visiter. Visitez, Seigneur, chaque membre du groupe Cri des Martyrs, Seigneur. Le groupe pense à apporter ta parole partout à travers la terre. Le groupe projette, Seigneur, de faire connaître ton nom partout à travers la terre. Mais Seigneur, personne ne peut parler de toi sans te connaître. Seigneur, je vous demande de bien vouloir nous donner l'opportunité
de vous, de te connaître, afin que, Seigneur, nous puissions parler de toi aux autres. Ne nous laisse pas seuls, Père. Ne nous laisse pas, Seigneur, sortir de cette position sans te rencontrer. Place sur nos lèvres, Seigneur, des mots de témoignage. Que chaque membre de ce groupe, Seigneur, puisse sortir de cette position avec une solution, avec un mot d'espérance, avec des mots d'espérance. Permets que, Seigneur, nous puissions sortir de cette position avec la confiance que notre problème est déjà résolu. Seigneur, visite ton peuple à travers la terre. Nous avons besoin d'être connectés à toi. Ton peuple a besoin d'être réformé. Ton peuple a besoin de refléter ta lumière. Pénètre au milieu de nous. Transforme notre cœur, Seigneur. Car, Seigneur, sans cette transformation, nous n'allons pas pouvoir apporter ton message à travers la terre. Bénis chaque administrateur au sein de ce groupe. Bénis chaque dirigeant de ce groupe. Bénis chaque personne, Seigneur, en ce moment, qui, d'une manière ou d'une autre, aimerait avoir quelque chose de toi. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Nous savons que, Seigneur, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas les mérites pour te demander quoi que ce soit. Si nous sommes venus à toi, c'est dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous pour ce moment de prière. J'espère que ce moment a été spécial pour vous. J'espère que ce moment a été bénéfique pour vous. J'espère que vous avez eu l'opportunité de rencontrer Dieu. Que la journée soit bonne pour vous. Que l'Éternel visite chacun de vous. Et que la gloire de l'Éternel soit sur vos lèvres, dès maintenant et à jamais. Amen.